Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Aller avec autorité la police et la justice dans Saint-Marc arrêté une bandit savien qui était dans une machine sans plaque qui était allé chercher cartouches pour renforcer base savien en pile médicaments et acheté pour 30 000 gourdes dans une pharmacie dans zone ponçonné avec poudre pour y prendre soin et bandit commissaire juridique gouvernement juridiction Saint-Marc l'a met estimé grand Pierre avec commissaire police Ronald Pierre dit c'est dans quatre chèques il a fait et il est arrivé poser la patte sur individu ça gain deux bandits qui guettent la récolte exam non la mer autorité demandé pour population aider au barri bandit servir ça yo action ça passé dans environ dans environnement pont McDonald dans entrée de ville Saint-Marc hier après-midi jeudi 14 juillet 2022 si la zaka kidnapping a pris possible en d'un pays n'apprend hier après-midi bandit et kidnappé là dans niveau zone canapé vert yo citoyen non yon monde alors bien dire par Zach kidnapping ça qui est même qui y commettent dans canapé vert. Ma vienne avec détail sous ça concernant ça kidnapping qui continue à faire dans zone dans Port-au-Prince temps là, mais yon moun kidnappé na hier après-midi pendant journée jeudi 14 juillet dans Port-au-Prince plus précisément dans canapé vert kidnapping kidnappé yo qui était dans yon véhicule Toyota Land Cruiser Zorequin couleur blanche selon information qui vient joindre nous dans salle nouvelle Radio Méga par divers on dit habitants témoins qui vivent scène ça sur l'information qui rapporté ba nous-mêmes qui vient jeune dans cette nouvelle là j'ai dit à la victime nan quitté dans machine victime otage amon kidnappé elle était dans machine une Toyota couleur noire qui est pour plaque AA 72668 mais individu même qui était dans machine j'ai dit là un véhicule Toyota Land Cruiser mais ça passé environ 2h15 dans l'après-midi qui pas trop loin mairie Port-au-Prince selon ça qui dit ça kidnapping ça passé hier après-midi hein bien après action ça mais kidnappé au dirigé prend tête descend centre-ville pour aller avec otage dans ça veut dire yo descend avec action passé canapé fait pas trop loin mais Port-au-Prince après ça au dirigé pour descendre centre-ville avec victime nan hier za kidnapping ça qui fait dans niveau canapé vert j'aime dire za kidnapping qui pas suspend augmenter chaque jour au qui passé dans la direction Saint-Marc hier te gain une grosse manifestation dans ville Saint-Marc contre gang qui envahit canard qui tourne puis quand coin dans commune qui a fréquenté Grand Noa, même Jacques Campil, l'autre zone dans le pays, en bandit dans zone, ça a préclamé gros l'argent pour quitter marchandises passées. Canarin, pape tourné Matissan, c'est slogan ça, protestataire qui t'a parlé dans le micro-correspondant, nous, depuis Ville Saint-Marc, Daniel. Les États-Unis à travers le monde, c'est chaos total. Pendant 18 ans, communauté internationale là, à travers les États-Unis, mettait des missions étrangères, sur le ministère, passer dans le ministre, binu. Comme mission étrangère ça, c'est chaos, son descente aux enfers total. Le produit pour les paysans. Je dis à présence, moi, dans cette ça, nous venons dire, nous, pas dans le renouvellement, mandat binu, nous venons décréter Madame Lalim, personne à non grata aussi, parce que c'est à travers le discours Madame Lalim que gang est arrivé fédéré. Et je dis, si le peuple n'a pas passé Matissan, si le peuple n'a pas passé Bois des Bouquets, si nous, on est dans le pays, nous pas à l'aise au niveau sécurité. C'est Madame Lalim à travers quoi groupe Binu planifié dans différents pays. Donc par là, nous adressons à différents pays membres pour nous dire autant prie s'il vous plaît, rendez-nous tes services ça. Et qu'il ne faut pas procéder au renouvellement du mandat de cette structure criminelle qui s'appelle Binu, qui fondamentalement responsable tout problème gangsterisation, assassinat que nous avons joué aujourd'hui qui gagne dans le pays. Heureusement, nous sommes reportés une audience qui t'a supposé gagner pour être penché sous affaire renouvellement mandat. Nous reportons, ça veut dire l'aide qui est adressée est matérialisée et nous convaincus, nous comptons que mandat binuant
pap renouvelé. Aba Ariel Henry. Aba insécurité. Faut manger pour aller à l'école. On va aller pour ça. On va aller pour ça. Je tiens à nous prendre la rue là. C'est pour nous dire Aba insécurité. Mais autorité yo pas porté résultat dans mouvement Saint-Marc là, est-ce que nous parlons l'autre étape? Nous même pas le résultat, nous passons l'autre étape, nous allons évaluer journée aujourd'hui pour une nouvelle stratégie que nous mettons en place. Le gouvernement Ariel là prend décision pour prendre avec gang dans le pays. Merci à vous. Mon père, bonsoir, de quel côté sommes avec vous, ça mène dans la rue à matin. Eh bien, la vie chère, insécurité, kidnapping, c'est ça qui mène nous dans la rue, parce que tout le monde menace, pas que personne ne quitte pas. Nous ne va pas fermer parce que monsieur le président, nous faisons ça tous les jours, et nous ne voulons plus marcher sur le noir. Nous-mêmes nous disons que nous ne va pas fermer, nous dans la rue, il faut que nous évacuions, parce que nous ne sommes pas capables de prison ça, sont forme de prisonniers. Nous pas d'accord, nous étudions. Mes amis, femme là a dit merci grâce produit ça grâce qui mettait ménage des sous deux pieds militaires qui fait tout non taureau ou même tout pas fait becaté grâce à mettre au campé jam pas gain raté gol grâce met garçon sous. En 2022, Lunetterie Divine est divinement présente en deux endroits pour deux bonnes raisons. Moi, je connais la première raison, pour prendre soin de vos yeux. Compliment. La deuxième raison, c'est qu'on franchit la porte de Lunetterie Divine. Toutes les grandes marques sont à la portée de tout le monde. Lunetterie Divine, Pétionville, Plaza 41, Willamar, Léogan, l'hôpital Sainte-Croix, fait dans le domaine ce que les autres ne font pas. Nous prenons assurance l'état ou privé. Lunetterie Divine fait autre chose. Même souvenir avec qui ont l'autre prescription, on va pas te priver de tes grandes lunettes de marque. Ray-Ban, Montblanc, Cartier, Fred, Gucci, Lacoste. 31 32 07 21 42 74 88 33. Tu dois appeler les deux numéros. Complexe médical, Lunetterie Divine, Wapouet Clé et bien clé. Ça, je peux chanter. Complexe médical, Lunetterie Divine, Wapouet Clé et bien clé. Matin, c'est nouvelle nous bail. Oui, nouvelle nous bail. N'avancer avec information toujours dans le journal Méga Matin. J'aime ce temps de la diverse citoyens dans ville Saint-Marc. Plein de piquets là dans toute la rue Saint-Marc pour capable de dire non que Canaran, pas tourner matissant par rapport avec situation ça qui a passé là. Côté là, il y a senti que Canaran surtout pour tourner matissant et que côté pis mal même passé matissant. Mais même Jacques en pilote zone en pays abandonné dans zone ça après que la mégot l'argent pour quitter marchandises passé. Canaran, pas tourner matissant.
matissant, c'était slogan protestateur qu'une autre côté dans micro question d'un permanent non qui c'est Daniel O'Daniel. Situation qui a passé dans Cité Soleil, gang qui déclenché entre deux gogo armés dans cité en n'a parlé du GPEP à Genève et côté gagné à Zek Jackenson Auguste qui t'a parlé du matériel lourd que mais bandits Genève a utilisé pour capable craser Kainan Boukine côté GPEP logé avec Yati Gabriel mais qui fait connaître état matériel CNE mais que directeur général CNE à Kinton lui qui démenti rapport surtout RNDDH qui parlait de questions ça tout et bien mais directeur général CNE à Kinton lui qui démenti rapport RNDDH qui accusé institution liant qui tabe Genève matériel pour craser Kaimouna Boukline directeur général Boatse expliqué bandit et saisi au matériel institution à tout un opérateur sous lui et chauffeur ça lui-même t'est mouri dans moment que monsieur tape saisi matériel ça matériel qui a circulé sur réseau social yo qui dans cité soleil yo pas pour CNE c'est plutôt l'autre institution qui servit avec matériel l'eau. En côté, Kinton lui dans micro Romanès samedi 8 juillet dans le cadre de travail de réhabilitation en terre battue que CNE a fait sur route nationale numéro 1 Radio Omega. Gagné un lot de CNE codifié 410 qui était gain sous lit yon opérateur malheureusement qui assassiné, on va l'expliquer comment l'assassiné. Un opérateur qui relait Daniel Joseph, matériel ça, des hommes lourdement armés, OK, prend matériel ça de force avec tout opérateur. Rivé en dedans, opérateur ça li assassiné. Ça veut dire que opérateur a mouri d'après information que nous gagne. Et matériel ça, li resté campé en dedans. Soleil parce que nous dit après l'opérateur ça monsieur Armio pas de monde qui a compétence nécessaire pour piloter matériel là ça veut dire matériel là était crampé il pas opérationnel parce que yo pas ta piloter et m'a profité de nous ça tout on stratégie de l'ancienne radio mega vraiment difficile pour un opérateur seul qui sont matériel les descend matériel là pour l'autre venir pour piloter matériel là. C'est extrêmement difficile. Même lorsque vous pilotez matériel là, ou monter sur matériel là, difficile même pour statique. Ça, c'est stratégie CNE. Gagner une pelle mécanique. C'est une pelle mécanique depuis avant moi, lui, directeur CNE. Pelle mécanique, ça, c'est toujours en dans Cité Soleil. Qui ça, pelle mécanique, ça, t'a fait en dans Cité Soleil. Comme Cité Soleil, c'est une zone par rapport à positionner, depuis on a pu tomber, Glossoti Delma, Glossoti Pétionville, descend à l'inonder en bas. Radio Omega. Et le mécanique ça, il était positionné le bon côté du canal pour le canal l'appeler pour que yo capable toujours après un curage en permanence. Ça veut dire que pelle ça est toujours en dessous du soleil. Mais le moment où on m'a parlé ensemble avec vous depuis avant guerre pété, matériel ça pas qu'à continuer faire curage parce que il tombé en panne et que nous pour qu'on réparer. Ça veut dire que c'est un matériel qui est dysfonctionnel. Il n'est pas fonctionné. OK? Gagné une vidéo, moi, ouais, qui viral sur les réseaux sociaux, qui montrait une pelle mécanique qui travaille. Radio Omega. En densité soleil. Pelle mécanique, ça n'est pas appartenu à CNE. Là, où on a parlé là, CNE n'a pas gagné aucune pelle mécanique qui est en circulation dans la zone métropolitaine dans là. Ça veut dire que matériel yo montré yo di k ap travay k ap kase kay la li pa pou CNE. D'ailleurs CNE pas seule institution en dedans l'état qui gagne engin lourd, gagne pelle mécanique en dedans certainement que nèg yo probablement utilisé c'est pas pour CNE yo yé. Et pelle ça yo nèg yo jeune a utilisé a c'est pas dirigeant institution ta ki bayol. Pelle ça yo tout yo té toujours en dedans cité soleil. Toujours le cadre du curage nettoyage qui pour toujours faire en densité. Kinton lui dénonce réseau national Cap Défendre Droit Mounio, il dit qu'il inscrit dans une démarche pour ça l'image institution. Directeur général a exigé excuse publique en amont réseau national Cap Défendre Droit Mounio, il demande tout emploi aurait été porté collé pour dénoncer RNDDH. En côté une autre fois Kinton lui toujours dans micro Manès samedi. Son complot que RNDDH mettait ensemble avec Aliel pour détruire CNE, mais pour y en là que RNDDH lui même qu'on a lié lui. Radio Omega. Ça va pas passer. Et m'a profité pour me dire, RNDDH très méchant. Ça, c'est un rapport criminel. Et nous-mêmes, nous avons exigé RNDDH excuse publique. Parce que CNE, c'est plus que 1000 employés. C'est maman à papa. De
que paisible citoyen cap travaille. Là où prend ou dit que li bail matériel à un groupe bandit pour aller gourmer en l'autre automatiquement on mettait tout le monde ça en face un groupe bandit. Écoute ça nouvelle arrivée même Daniel Joseph, monsieur Mouina attaque Genève sous GP. Moi-même, moi, à diriger CNE. OK? Moi, pas gagné pour me répéter à rumeur à ça, mon abdi. Moi, gagné pour me parler, ça me connaît. Moi-même, moi, connaît. Moi, gagné un lot de CNE qui enlevé ensemble avec opérateur, OK? Qui rentré en densité soleil, rivé en densité soleil, yo assassiné opérateur. C'est ça, me connaît. Après ça, tout l'autre bagaille, yo pas trop intéressé. Ça qui intéressé, c'est ça, me connaît. Jodia, au lieu pour yon moun, ta sensible par rapport avec yon perte, en vie humaine ou plus intéressé à détruire. C'est pas possible ça. Je pense que en dedans pays, il est temps pour que vous commencez à démasquer les gens qui font, les gens qui font, les gens qui prennent c'est eux-mêmes qui sont bon, alors que c'est eux-mêmes qui sont pire criminel, pire bourreau, pire bandit. Je pense que RNDDH, s'il n'a pas présenté excuse, m'a demandé à la population, à tout le monde qui est victime de RNDDH, déjà, pour qu'ils participer dans l'opération déteinte, démasquer. Tout le monde est CNE, on m'a demandé au bureau aller dans la radio et aller défendre tête tout. Ce n'est pas seulement moi-même qui pourra parler. Parce que c'est CNE, monsieur, et RNDDH attaqué. C'est pour dire tout CNE campé devant. C'est pour dire toute population que CNE qu'on a le travail pour camper en face. Radio-Omega. Parce que nous, on a mis dans ce cap défendre, pour la vie de détruire mon consent dans le pays. CNE va gagner pour nous avec pour armée. CNE va gagner pour nous avec bandit. CNE va gagner pour nous avec guerre qui vient dans le soleil. D'ailleurs, c'est ma première fois que je dis dans le soleil. Qui ça CNE qu'on nous avec vous? Pour qui ça c'est pour nous à CNE? On dit tellement que RNDDH fait mentir sur nous. Mon cap fait doit relever sa diffamation. La diffamation, c'est un délit privé. Pour ça, c'est excuse publique ou yon pas attaquer la justice en diffamation. Radio Omega. Mais c'est une institution, c'est un personnage moral. Ton personne moral. Et lui attaquer yon l'autre institution. Maintenant, c'est pas moi-même qui pourrais aider la justice. C'est l'État. Ok? C'est l'État qui est représenté par DG. On peut mettre parti avocat quand même pour sauver les RNDDH. Déclaration directeur général CNE à Kinton, lui, réseau national cap défendre mon yo persuadé, centre national équipement CNE, Teba Genève équipement pour diriger bataille sa contre GPEP dans Brooklyn. RNDDH dit le grette gouvernement Ariel Henry a continué à utiliser vie pratique tête caléo cap utilisé gang dans bataille politique pendant ses populations lui-même capé pour casséan. RNDDH condamné comportement la police qui pas jamais intervenu et puis gouvernement qui pas jamais réagi sous drame cap pas cité sur les lents. Parole Marie-Rosie Auguste du Sénat, dans le micro Jean-Philippe Masséan. Selon information que RNDDH a écrit jeune sur le terrain, 7 juillet 2022, G9 famille alliés décidé d'attaquer quartier dans Brooklyn dans l'idée pour les déloger chef gang dans Brooklyn, qui c'est Gabriel Jean-Pierre alias Gabriel Oswa Gabo, lui-même qui c'est actuel dirigeant coalition rivale de G9 famille alias, c'est-à-dire GPEP. Pour G9 en famille alliée, rivé mené à bien nouvelle attaque armée, ça, Centre National Équipement, CNE, mettait à la disposition de G9 des engins lourds pour être capable de détruire Kaye et puis creuser un passage juste pour arriver dans fief. Bandi armé ça qui c'est Gabriel Jean-Pierre. RNDDH rivé dresser un bilan partiel qui pourtant déjà très lourd. Pour pipiti 89 moun mouri assassiné et 16 l'autre porté disparu. Parmi moun ki mouri yo, gagnent au moins 21 que bandi piqué difé sou yo. 74 moun blessé par balle ou bien à arme blanche. Gagnent tout pour pipiti 127 kay que bandi G9 en famille allié yo rivé détruit à l'aide de engin lourd que gagne à disposition yo que CNE mettez à disposition yo d'ailleurs et gain de l'autre caille c'est du feu que yo piqué là-dedans. RNDDH rappelé dans cadre note ça que il fait sortir dans date 13 juillet 2022 que depuis mise en place de G9 en famille alliée en 2020 pas gain un mois qui passait dans pays sans que nous pas enregistré au moins un événement sanglant et c'est depuis là ça tout que dans RNDDH nous rendons compte que G9 en famille alliée obsédé par quartier dans Brooklyn nan, parce que ça fait 4e attaque qui enregistrée dans quartier ça depuis 2020.
RNDDH profite de note ça que le fait sortir pour lui dénoncer le fait que actuelle coalition politique qui n'a tête pays à jeunes jeudi et qui dirigée par premier ministre de facto Ariel Henry continue à mettre en œuvre nouvelle forme de gouvernance politique ça que administration Jovenel Moïse était déjà imposé nous et qui caractérisé par utilisation de gangs armés pour capable instaurer un climat de terreur dans le pays. Différentes enquêtes que RNDDH menait sur cas de massacre et dans quartier défavorisé ou bien de attaque armée qui enregistré dans quartier défavorisé montrent nous que c'est toujours population civile là qui c'est principale victime de événements sanglants ça. Par exemple, n'a pas rappelé que pendant dernier carnage qui était enregistré dans plein du cul de sac là, t'es gagné pour petit 191 monde qui mouri assassiné, mais c'est seulement 48 dans yo que t'es présenté par RNDDH soit comme des bandits qui t'ai fait partie de une gang qui t'a boumé yo ou du moins comme des monde qui t'ai considéré dans société côté yo t'a vivu dans communauté yo comme des proches des gangs armés. Donc ça veut dire 143 parmi victimes yo c'est des monde qui t'ai fait partie de population civile là. RNDDH dénoncé encore une fois non interventionniste institution politique. N'avancer avec information, c'était déclaration Marie-Rosie Auguste du Sénat concernant, mais en question matérielle, pour le CNE qui, censé là, yo parlé, qui t'a nommé groupe gang G9 en famille et allié pour capable d'attaquer GPEP dans Cité Soleil, surtout mon enquête boucline. Il y a une information, ce que t'étendais avant que Kinton lui, qui c'est directeur général Boatsa, qui t'a parlé dans le collaborateur de Romanes samedi, lui-même, lui démenti. Information, question insécurité, zak, criminalité, ancien soldat qui était membre groupe gang Tilapli et tout le monde connaît sous nom Kano Koulet monsieur jeune arrestation dans circonscription Miragouane pendant semaine là on dit mercredi dans après-midi nouvelle ça qui confirmé par commissaire gouvernement Miragouane Jean-Ernest Muscadin selon information qui bail par chef paquet juridiction Miragouane maître Jean-Ernest Muscadin Kano Koulet te prend la fuite pour aller alors dans Nipayan zone côté près les Lomo commune Saint-Michel côté que te gagne un fusil calibre 12 et une quantité d'argent qui c'est $30,000 américains qui t'a pour chef gang grand ravinant qui s'est il a pris d'après commissaire mais commissaire Muscadin qui apprend que tu ça t'es dans ville et avec tout ça dans comme matériel rapidement t'es informé et l'été a poser la patte sur citoyen ça qui est Kano Koulet pour Kounia Kano Koulet monsieur sous contrôle la justice Miragouane pour qu'on fait suite nécessaire je n'ai pas rappelé là Kano Koulet c'est un membre substantiel gang qui l'a pris dans Grand Ravine d'après commissaire gouvernement Miragouane et on fait connait qu'il fait connait que monsieur était dans main là on fusil calibre 12 et puis on quantité l'argent qui t'a $30,000 américains qui pour ta chef gang qui l'a pris dans Grand Ravine. N'a poursuivre avec information yo dossier gaz nous connaît depuis quelques jours là tes mouvement protestation que ce soit dans mercredi ou bien dans jeudi mais information et on fait connait après un gaz qui était débarqué dans le terminal Varouan, guerre qui éclaté depuis 7-8 juillet entre gang rival dans la communauté solaire affecté grandement fonctionnement en terminal Varouan. Distribution yo démarré hier jeudi matin à cause d'une trêve gang observée selon source nous capable faire confiance plusieurs dizaines de camions citernes déjà quitté le terminal Varouan depuis hier pour capable alimenter pompiers dans souci pour capable gagner gaz qui disponible sur marché local là. Toujours dossier gaz. L'ouvrisseur est capable d'entendre, de communiquer ça. Commissaire, ministère commerce et industrie mettait dehors par rapport à ce qui a causé gaz qui a vendu un gallon. Ministère commerce et industrie rappelé à tout le monde qui concerne, conformément avec loi 20 décembre 1946, là, question marché noir qui a fait à question gaz là, et décret 25 novembre 2020. Qui lié avec question vente sur voie publique, ça dit mon cap vendre gaz dans la rue à terre, produits pétroliers. Li formellement interdit. Question mon cap vendre gaz à terre dans galon dans la rue. Eh bien oui, mon cap acheter gaz, alors acheter gaz dans galon, mettez à terre pour vendre. Soit gasoline ou bien diesel dans galon. Ou bien dans l'autre vaisseau que commissaire et ministère lui-même le dit. Toute station gaz, allez bien, toute station gaz qui ont même rentré dans logique
pour capable vendre gaz avec particulier pour aller vendre à terre dans commerce question marché noir ben ministère commerce et industrie l'a fermé pompe ça jusqu'à nouvel ordre. Toute pompiste qui entre en connivence avec moun qui vient acheter gaz dans galon mais dans l'autre récipient pour aller vendre à terre selon ministère commerce li fait connait que il a fermé pompe ça jusqu'à nouvel ordre et yo met et moun sa pompiste ça tout lui-même l'a tombé en bas section la loi. On l'autre côté ministère affaires connait institution publique mais privée qui ont même besoin de gaz pour capable mettre dans génératrice parce que dans ensemble d'entreprises là qui obligé camper parce que pas prévoir que tu va gagner rater gaz dans dimension ça mais on institution l'état ou bien privé qui a des problèmes gaz qui besoin de gaz pour mettre dans en génératrice qui besoin avoir l'acheter dans galon ben dans récipient yo gagne pour autoriser avec moun qui vient acheter gaz là bal un petit mémo un petit texte un petit papier cap gen en tête institution cap gen sous institution sous li et cap signé par un responsable les ça les rivé en bas pompe là avec récipient cap nan men là pompiste là ou responsable pompe là ap capable livrer moun sa gaz nan galon après ça un individu qui les même quand ça vient acheter gaz nan galon selon ministère commerce et industrie li pas autorisé et quel que soit pompe gaz qui t'a fait ça, que soit pompiste qui t'a fait ça, l'abtombe à ma section, et pop dans lui-même tout, il y a fermé jusqu'à nouvel ordre, d'après ça qui dit bon côté, responsable d'un ministère, commerce et industrie. Ministère, commerce et industrie, lui compter sous compréhension et collaboration, toute entité, pour permettre que, principe ça lui-même, lui respecter. Mon qui veut décider a-t-il en bas communiqué ça, c'est, ministre, commerce et industrie, qui c'est, Ricardin Saint-Jean. Dans Média Matin, c'est nouvelle nous baille. Oui, nouvelle nous baille. On a toujours été sous même dossier ça, question raté Gaza. Nous parler avec ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui lui-même tout parler sous dossier ça. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles révélé plusieurs raisons qui la cause pays en tombé dans raté Gaza toute la journée. C'est un problème qui démarre depuis les Jovenel Moïse fait arriver sous pouvoir côté bourgeois qui était financé campagne ont exigé contrôle marché gaz là. Les députés Dessalines a baillé plus détails dans micro Manès samedi. Les noues, ok, mes gazans. Les noues, ok, mes gazans. Les noues, bateau, pas qu'à venir. L'image fait pour l'autre raison. C'est pour créer, on bouleverse. Et l'effet que peuple a pas jeune gaz, faut le réagir quand même. Qu'on y a, il va le créer à terre. L'image vend dans le galon. Galon gaz, tu as payé $100. Il va le faire payer $300-$400 dans le galon. Et puis, qu'on y a, les armes de l'emploi, 150 ou 200 dollars, pour accepter. Ça veut dire son tactique, il a utilisé pour monter gaz là. Ma pauvre, de matin, pour me dire tout le monde, nous pas d'accord. Dans la situation, nous est là, Romanes. Oui, c'est là, pour monter gaz là. Mouvement, c'est quoi le mouvement que je veux dire, Romanes? Mouvement, il est là, il y a trois angles. Il y a un angle social, il y a un angle économique, il y a un angle politique. Qui s'est passé? Ils ont campé à défendre le noyau. C'est parce qu'ils sont intelligents. Si le gaz a monté, ils ont mal fixé le prix pour camionner le parce que même ils n'ont pas coup de direct, ils n'ont pas de parler. Maintenant, ils montent, ils n'ont pas de diable. C'est un jour là, je rentre dans un petit pauvre. Depuis que le gaz a monté, ils n'ont pas de motocyclette encore. Quand il y a là, c'est Pierre Mouni, ils n'ont pas de pour marcher. Les taxis, ils n'ont pas de compte. C'est normal, oui. Je dis, ça vous connaît. Même ces motos, parfois, qui s'arrivent, ils n'ont pas de parler, ils n'ont pas entré avec le. Eh bien, aspect économique dans tout, ça pour nous connaître. Mouvement là, hier, il y a un poté économique. Nous connaissons dans toute société capitaliste ou néocolonialiste. Économie, l'Ichita, son seuil de principe. Économie, c'est ce qui mène tout le bagaille. Eh bien, au Kawé, Kabiro, c'est un produit transversal. Automatiquement, il y a un problème Kabiro, l'inflation vient augmenter. La vie s'est augmenté. Ça veut dire que tout le monde s'est touché. Eh bien, je ne sais pas tout le monde qui fait. Pour moi-même, c'est même le monde, c'est les citoyens qui sentent menacés, c'est les citoyens qui sentent pas capable de c'est les citoyens qui sentent pas d'espoir, et particulièrement, chauffeur camionnette, chauffeur taxi, poids lourd, c'est tout en premier qui touché. Et masque de la même tour, ils ont touché, et bien ils ont dit, le fait qu'il n'y a pas d'espoir, ils ont estimé que son coup de mettre le maillot pour monter le gaz à la souillon, et bien ils ont dit, n'a pas frappé.
Voilà, au tap côté intervention, c'est sénateur Moïse Jean-Charles, au l'élbaï plusieurs raisons, mais plutôt au tap côté, le tap parlé, qui est à remercier, qui t'a félicité, monsieur, que t'es prêt à l'arrêt. Jusqu'à hier, je veux dire, je fais mon tôté, mettez bas et quatre boulets caoutchouc dans plusieurs zones Port-au-Prince. Moïse Jean-Charles, ça l'intelligence, monsieur, c'est à qui comprendre des matchs pour voir qui marre saucisse avec certains bourgeois pour créer, rater ça, pour monter prix Gaza dans pompe aussi. Non, ça, ça, au tap côté intervention, Moïse Jean-Charles. Maintenant, nous allons mettre au côté ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui a révélé plusieurs raisons qui la cause pays en tombé dans la tête Gaza toute la journée. Ça, c'est un problème qui démarre depuis les Jovenel Moïse a fait crever sous pouvoir côté bourgeois qui était financé campagne et exigé contrôle marché gaz là. L'idée est petite Dessalina en côté la baille plus détail dans le micro Manès samedi. Cinq raisons qui m'a eu problème gaz là aujourd'hui. Première raison, c'est division nous-mêmes avec Venezuela. Ok? Deuxièmement, c'est bateau du riz, bateau farine, bateau tolio qui mettait nous là. Radio Omega. La journée Moïse était candidat. Il y en a qui gagne trois hélicoptères. Par contre, s'il était le roubien, il était prêté journal. La journée Moïse est président. Notez ça, Mabdi là. Avec attention, sénateur. La journée Moïse est président. Radio Omega. Nexa dit, nous sommes bon hélicoptère. Nexa dit, nous sommes bon bateau du riz. Nous sommes bon bateau farine. Eh bien, ma point gaz là. Jovenel Moïse, comme on moun qui pas de gain en plexiens dans bagayon, qui ça le fait? Les livres, nest sa gaz là. Rapidement, gosser des compagnies qui y'a pas été comme ayant droit. Ça le dit, yon pense gaz là, c'est pour yon. L'on point total, l'on point, et qui est-ce encore? L'on point national, ou point toute compagnie yon. Et puis, yon gade, yon pas que l'autre compagnie vient monter sous terrain. Et ouais, appel de flanc, li pas fait, d'une façon gros moyen. Yon, femme dit non ça. Yon baye chef Abdallah gaz là. Qu'on y a, gade qui oui, Jovenel Moïse, moi. T'en est bien, oui? Qui ça ou fait? Yon gade un bagay, yon dit, yon pral, point gaz là dans mes nationales ou bien total. Total dit comme ça. Bon gaz là, c'est nous-mêmes. National dit, nous gagnons tout le temps dans le PSC, nous avons fait commande pour nous appeler d'or. Et pour vous prendre une façon de vous prendre comme ça, vous comprenez ça vous fait? Mais ça vous fait. Vous dites, bon, on met le gaz là, vous même tu avez porté d'une façon de vous prendre. Là, vous importez, je vais faire un mandat pour vous. Quand vous êtes, je vais prendre un pression international, vous êtes obligé de lever le mandat aujourd'hui. Je ne sais pas si vous oubliez ça. Pour tout directeur qui compagnie ça. Et puis, vous avez chez Fabdala, les gains de cause. Il a porté gaz là. Là, il vient avec gaz là. Compagnie, on dit c'est nous qui sommes citéens. Nous ne pouvons pas citer nous mettre gaz là. Là, qu'on y est, il y a besoin d'alimenter pour que vous prenez gaz là quand même. Oui, non, monsieur Abdallah. Mais on y est, c'est qui me paye 20 dollars pour acheter gaz là. Ils ont payé tout l'argent en good. Ils allaient dans la centrale, ils prennent un dollar. Et puis, après 4-5 fois, la centrale dit pas un dollar encore. On premier problème dans le gaz là. Deuxièmement, chef Abdallah dit, vous comptez la faire Jovenel. Pour me tirer l'argent de dépenser, vous m'avez pu faire, oui là. Mais ça vous fait. Ou pas besoin, bon, d'être ça qu'on y a, non. Sous chaque baril pétrole, m'a metté en 0,05, en 0,05. Notre Jovenel Moïse, ça n'a pas rien. Mais pas te faire multiplication quantité 0,05. Et bien, ça t'a fait monter en 58 millions de dollars. Les Jovenel Moïse, pas qu'à payer Gaza, chef de la ligne devant le tribunal. Là, il pas qu'à payer d'être ça. Ça, mais on deuxième problème. Il y a ces moments pour aller dans la province. Dans le cadre de la rubrique Ronde Province avec différents correspondants, nous pourrons aller dans le sud pays. Précisément, dans la ville de Kay, avec correspondant permanent, nous, Jean-Vanel Soliman. Bonjour Jean-Vanel Soliman, comment au CAI département levé pour matin, ça qui gagne comme information? Bonjour Peterson Blaise, bonjour à Jean-Willem Sévère, bonjour à Marcel Joseph, le même capable de manœuvre technique. Bonjour à tout auditeur radio qui relaye nouvelle méga chaque matin et dans le département sud pays, plus précisément dans la capitale département qui c'est en ville Okaï. La pluie tombée et dans la ville Okaï pendant la nuit là. Et puis faut qu'on dit déjà là tout chauffeur moto yo, machine qui assure à Kaye à Port-au-Prince ici là qui assure tout Kaye Derisso Miraguad, et bien qu'on y a là à garder pour qui j'ai capable de déplacer malgré gros crise qui vient sous chauffeur ça yo à cause de question gaz là qui c'est un produit transversal et bien qui gagne un gros impact sous transport en dans département sud pays à côté coordonnateur Ifa Deschla lui-même qui mettre comme l'agent Belis spécial qui qualifie de incompétence au gouvernement qui la
à cause de situation ça arrivé juste que là elle m'a dit yo pour que yo même yo fait tout ça qui possible de yo pour permettre à la population ça souffrir sortir dans souffrance que lié elle même aller plus loin pour demander est-ce que moun k'ap dirige pays a yo gen cœur est-ce que yo humain pour yo garder pour yo ouais j'en peuvent ça a souffrir et yo continuer quitter a souffrir la niveau ça yo l'autre bon coordonnateur Ifa Deschla dans sud Metta Bella Saint-Jean Bélissel les mêmes là qui dénoncé et qui qualifiait plutôt de arbitraire décision responsable dans le ministère intérieur yo prend les choix de transférer à titre chargé de mission directeur départemental la sud de protection civile là à Silvera Guillaume qui selon responsable droit mon décision ça prend après yo rapport coordonnateur protection civile là dans sud te soumettre à autorité yo après catastrophe 14 août passé yo et gauche à bras canal l'état te mandel tourner sous décision li pas accepté pour autorité yo humilié yo choisi transférer à titre à un titre pareil pour défenseur droit mon nom mais là c'est un signe de non-respect pour Silvera qui c'est un cadre et c'est le directeur départemental que l'il est et puis il a diminué grade li après plus passer 20 années la bail service dans protection civile puis loin mais de l'assemblée pour autorité yo tourner sous décision de Grenoble parce que Silvera Guillaume li gen madame ni qui paralysé et c'est lui même qui tout lui qui pour aider dans sens là responsable Ifa Deschla dans sud mais de l'assemblée pour gouvernement ressaisir yo pour Pita Papitris. Et puis, troisième ville, pays, pour vous, vous êtes radio, Radio Omega. Moi, c'est Jean-Vanel Soliman. Merci Jean-Vanel Soliman qui t'a dit nous comment ça est dans Okay qui t'a ba nous toute information même qui gain proche dans Okay ou même qui vit dans région métropolitaine là ou qui proche dans Okay ou gain toute information yo avec Jean-Vanel Soliman même j'ai avec différents correspondants qui toujours informer nous sur ça qui a passé dans ville province côté yo a suivre toute information pour Radio Mega. Nous parler dans département des pays avec Henri Claude Clercin comment ça et avec Henri Claude Clercin nous va gagner toute information yo avec collaborateur nous correspondant nous Henri Claude Clercin dans Nip pays après ça nous mettez tête nous dans Zile et Lagonave sans compter cap haïtien avec Guino du venir pour capable informer auditoire Radio Mega au sort de toute information avec Henri Claude Clercin au sort de tout ça Libano en termes d'information sous ville Okay. Effectivement, nous prêts aller dans diverses autres villes province avec correspondant permanent nous yo, mais nous connaissons information pas seulement arrêté là en Port-au-Prince, les dans diverses autres villes province, j'aime toujours aimer dire Haïti pas Port-au-Prince seulement, c'est 10 départements géographiques payants. Et ça fait nous toujours aller dans la province dans le cadre de la rubrique en province. Écoutez, comment ça y est avec Jean-Vanel Soliman dans le sud paysan et nous aller dans l'autre ville provinciale, dans titre rivière la Tibonie, j'ai tout détaillé à titre rivière. Côté la police, autorité yo posé la patte hein, sur un individu là, qui est même ta non question, qui est suspect dans ensemble de données là par rapport avec la question de sécurité ça. Bataille ça qui redémarrer dans mitan groupe gang cap opéré dans ça vient et Jacques chaque jour qui passe dans des situations ça lui-même la vienne plus détériorée et déjà parlé avec nous comment ça y est dans Saint-Mac hier côté divers moun nan société civile Saint-Mac là surtout on dit businessman entrepreneur yo moun ki nan question commerce nan ville Saint-Mac département de la Tibonite d'Haïti té pile béton hein nan ville Saint-Mac ça paralysé par rapport de question carburant depuis hier galon gaz là on passe t'il nan $350 haïtiens. Et depuis hier tout, plusieurs chauffeurs moto, chauffeurs Tibon 3 ou annoncé aujourd'hui, ils ont pris prendre l'arrière, ils ont demandé autorité, ils ont fait un genre gaz là et hier soir Fortondine et depuis hier soir dans zone dans entrée est cap haïtien carrefour aviation là t'es gain tes mouvements côté t'es gain un pile tiré et t'es gain bouteille qui t'a voyé dans zone silayo d'ailleurs depuis ailleurs plusieurs pancartes t'es mettez plusieurs mettez pancartes dans toute l'arrière pour annoncer jeudi là yo pas de travail, c'est un mouvement de protestation que yo pral faire parce que situation vraiment, vraiment compliquée dans la ville cap haïtien, côté que c'est
et culture marché à pied à cap fait là et n'importe qui côté parler pas hésiter moto à mando 250 gouttes ça dépendamment de côté parler jusqu'à 500 gouttes même donc on entend normal au côté qu'on a payé 150 gouttes mais qu'on est à mando presque 250 gouttes ou bien 500 gouttes dépendamment de côté parler donc c'est une situation qui est vraiment vraiment difficile le chauffeur moto déjà annoncé jeudi à là c'est aujourd'hui une journée blanche pour eux même c'est une journée côté protester contre situation si là de l'autre côté gagner et délégué départemental noir alors que dit avec directeur départemental yo côté hier yo té réuni conseil technique pour plancher sur situation ça et yo annoncé dans jour cabin là pour gain des mesures à prendre non seulement avec pompe gaz yo mais c'est un peu mon a dit c'est une situation qui dépassait autorité yo parce que c'est pas simplement dans le département noir notamment dans ville capahitien mais et c'est une situation qui vraiment exagérée et bien comme dit là depuis jeudi à là depuis hier soir en pile monde sous benzin en pile monde vraiment pas sauté dans moment dans l'heure qu'on tient parce que rapport de situation gaz de sacté annoncé hier donc c'est on cité Grillan qui a dit qui vraiment difficulté fatra tribo par bon autorité vraiment situation dépassée par les événements donc on est dans des villes capahitiennes jeudi à qui c'est 15 juillet et bien dans 15 août qui parle venir là c'est pas le fait au cap dans un mois c'est une situation qui est vraiment vraiment lamentable donc nous avons dit c'est quoi ça y est pendant journée là dans vac mes amis auditeurs radio méga on connaît comment ça y est dans ville capahitienne avec mouvement que chauffeur moto yo chauffeur de moto de chauffeur annoncé par rapport de situation carburant qui dans ville capahitienne voilà c'est comme ça c'est à soigner alors c'est pas seulement dans ville capahitienne c'est dans presque dans tout département nord dans plusieurs communes moins population a plein de produits qui ont gagné par exemple mon Oboy mon Port Margot mon Pilate mon Saint Raphaël pas qu'à rentrer dans ville capahitienne puis au vin vendre ça ont été gagné mais si quelqu'un qu'on a le vin pour presque pas rentrer à cause de question insécurité, question gaz, mais on pas vivre une taxe à l'entrée au Cap-Haïtien, non seulement pour l'infrastructure, parce que route pas bon, il vient pas de gaz, donc c'est une situation qui est vraiment, vraiment, vraiment lamentable dans le département de notre pays d'Haïti. Et nous devons pour croire Radio Mega. Bon week-end tout le monde. Merci Guino Duvernay qui t'a banon information sur Cap-Haïtien. Nous pour aller dans ni pays en Miaguane avec doyen tribunal première instance Miaguane Girard Nertilus qui a annoncé un assise criminel sans assistance jury cap commencé dans tribunal là lundi 18 juillet cap venir là cap bout 31 d'août 2022 pendant période là tribunal a pris pourtant des 50 moun yo reproché pour viol, vol, tentative assassinat, détention d'armes illégales ak association malfaiteur. Pour citer ça, yo seulement phénomène et pas de présence li dans tribunal là la travail pour lui faire doit tout le monde respecter dans juridiction doit selon doyen Gérard Nertilus qui était dans correspondant nous Henri Claude Clercet depuis ville Miyagouane. M'a salué la presse respect doit moun yo pour convention et pour instrument international que Haïti ratifié yo et qui promulgue yo permet yo respecter à savoir que moun yo lè yo arrêté yo fait prison que yo jugé dans délai raisonnable et troisième bagala c'est bataille contre sécurité foncière c'est-à-dire et son message clair voyez pour nous dire tout apprendre noté avocat qui monte sous terre moun qui fait n'importe transaction sous terre moun yo cherchons l'autre bail yo fait parce que l'administration pas n'a pas tolérer ça et nous à poursuivre jusqu'au bout. Donc, et dans ce sens, sous deuxième objectif qui c'est permettre que Mounio juge dans des délais raisonnables, selon le V instrument international, nous avons environ cinquantaine de monde qui en état de recevoir jugement. Nous avons démarré l'assise criminelle noir lundi 18 juillet. Et assise criminelle ça, il y a un ensemble de monde, il y a un monde qui peut juger pour mettre en tentative d'assassinat, il y a un ensemble d'infractions, et on a commencé le 18 juillet et on a fini le 31 août. Alors qui ça qui vous surprend, et c'est l'engagement de prendre dans le juin Salasom qui dit qui ça. On a bataille pour une chute sur trois ouais, fait ça, à savoir, pendant ma fait continuité, m'a permettre que mon yo juge dans des délais raisonnables. Et c'est ça qui pousse immédiatement m'installer. Moi, je suis là sur la question ça pour permettre qu'on nous a jugé. Et il y a des gens qui étaient là, qui ont plusieurs années, qui ne peuvent pas juger. Nous, à privé, faire juger
et selon le V de la loi. Est-ce que tout bagay ok? Bon côté tout. En tout bagay prêt et nous déjà préparé et ordonnance nous qui affiché déjà, tableau nous affiché déjà. Nous déjà connecté avec Pakea, la police Baoua, tout acteur déjà mobilisé pour permettre que Mounio rive jugé selon sa la loi prévoit pour qu'on ait sol. Et là mon en prison faut qu'on ait sol. Alors et assise à qui type d'assise? Là sont assises. C'est une audience, c'est ça, assistant de jury. C'est parce que normalement, c'est bref, pour me faire avec assistance, on a un ensemble de procédures, et je promets souper, le pour me faire avec assistance, et souper, je vais le travail pour me faire avec assistance. Et voilà, merci à Pierre, nous sommes dans le département Nipéian avec la correspondant permanent, Henri-Claude Clercin, côté assise criminelle qui est annoncé là. Avec doyen tribunal dans niveau département Nipéa juridiction Miyakouane. Nous parler à Kayé avec correspondant permanent qui c'est Pascal Fleuristil. Pascal, bonjour, comment Kayé levé pour matin, ça qui gagne comme information. Et bonjour Blaise, bonjour Wilner Sever, bonjour auditeur radio Megayo. Pour nous dire Blaise hier et à Kayé fait moitié journée en boucher. Et à cause et Mounio qui a protesté contre gaz là, insécurité et puis la vie chère Capta et Banda et dans la ville là. La police a utilisé et balles réelles pour débloquer route là. Donc nous disons, pour ces moitié journée hier là, elle était complètement bloquée. On moun pour arriver à Port-au-Prince, c'était tellement difficile parce que à chaque la police fin déboucher route là, Mounio rebouché là encore. Mais la police est obligée d'utiliser, j'en te dis à la, en pile balle, pour te forcer moun qui t'a bouché ou t'yo, pour rentrer. Mais pas gué arrestation qui fait, d'après information que nous prenons, t'assemblée, hier, dans l'échange, entre moun qui t'a bouché ou t'yo et la police, t'as gué un moun qui prend yon balle dans la cuisse. Et puis, blessé, nous disons tout, depuis hier, n'a lancé SOS à, ou dit celle depuis hier, à Kaye, pas de signal. Ça, c'est question d'appel maintenant, nous, Pascal Fleuristil, qui est même temps de commencer à Kaye, à hier. Et ailleurs, jeudi, en côté de gué gros mouvement, tension, t'es gué à Kaye, côté ville, presque passé moitié journée en bloqué. Mouvement protestation, qui t'a fait avec Achillois-Achillois-Jio, pour capable exiger question gaz dans pompiers pour fonctionner, la vie chère et sécurité à tout, qui participent à augmenter chaque jour dans la société haïtienne et à Kaye, les mêmes tout, qui, ça gagne conséquence sur ville à Kaye. Toujours été avec raté gaz, yo, toujours réaction, bon côté divers secteurs dans la vie nationale là. Pas gué raté gaz dans le pays, selon unité l'État avocat engagé pour restauration, yon l'état des droits en Haïti. Maître France Jules qui expliquait si plutôt une stratégie gouvernement utilisé pour capable monter prix gaz à nos pompiers sous population. Homme de loi expliquait situation, ça a montré à clair régime en place, ça pas gué aucune compétence pour diriger pays en façon la toupisie population. Côté France Jules, en ami Kouali, c'est Gauthier. Jodi, la vie a tout visé peuple là, ça va dire pouvoir ça en rien. Si ma vie dit rivine piché, tout l'autre produit première nécessité, monte tête nègre. Gouvernement ça a créé, yon raté gaz pour faire moun par une gaz pour acheter dans pompe gasoline et pourtant la vendre dans gan la journée dans galon sous tout toit dans jeu population. Et puis oreille bourrique, ça veut dire bien cher. Ça prouve à clair, c'est gouvernement Ariel Henry qui crée une situation malouk, tragique, catastrophique ça, dans souci pour monter prix gaz là, qui c'est un produit transversal parce que dans tête pio si mon population ka acheter le bien cher dans un galon y a ka acheter tout bien cher dans pomme gasoline raisonnement ça semble tête coupé ak moun ka kidnapper moun pareil yo pour faire fortune problème insécurité a pas jamais résout chaque jour bon Dieu mette moun a mouri pas bal y a kidnapper moun moun a mouri pas pile et pas paquet nan en pile quartier populaire tant coup cité soleil quoi des bouquets tabac belin tossel peignier et latrier ak matissant nèg exam a kidnapper moun go la journée en bas jie la police nationale. En y est pas jamais fait. Et pourtant, y a bon à tout faire dans l'État, je dis, quatre touchés et puis quatre jours privilèges sous deux populations. Et pourtant, c'est nad marinade. Ça prouvait, c'est un bon incapable et compétent qui a dirigé l'État. Ça. Y a pas ni vision, ni sens de responsabilité, ni aucun projet sincère pour mettre solution à problème qui a traversé la population depuis quelques années.
Occasion pour unité l'État avocat engagé pour restauration l'État de droit en Haïti dénoncé gouvernement place à qui après environ un mois pas jamais créé condition pour permettre à Paris justice de recommencer fonctionner normalement pendant prisonnier passé bonne croupine en prison sans juger coordonnateur général justice pour profiter dénoncer responsable prison qui pas bail prisonnier manger pendant un bon bout de temps côté France Jules toujours dans quoi Alex Gauthier dysfonctionnement appareil judiciaire depuis plus passé un mois pas fonctionner dans Port-au-Prince depuis les nèg examen dans date qui était 10 juin 2022, qui est pris contrôle local là, qui était logé tribunal là à Paquer. Autorité ministère de la Justice a primati, pas jamais fait rien pour mettre tribunal là à Paquer dans un autre local. Pour au cabay mosso justice à moun qui mérite. Ça veut dire pour pouvoir ça, problème qu'a gagné à moun qu'a vivre dans société là à résoudre dans chi répit et pour aide dans pour dans. Ça veut dire citoyen qu'a touyer citoyen pareil yo, vinn tourner dans tant longtemps côté justice privée te konta e bandal et pour aide dans pour dans. Prisonnier qui en prison, yo vinn pi mal. Non seulement pour voir ça, pa bay manger dans aucune prison et prisonnier yo pa gen de l'eau pour yo bre ni pour yo bien, pa gen courant dans prison. Ça pa di mini justice là, rien. Ak pouvoir Ariel Henry. Juge pa gen local pour yo rele prisonnier vinn juger. Commissaire yo vinn pa gen local pour yo tande justiciable ak moun yo arrêté comme ça droit. Ça vinn pi grave. Côté, c'est dans commissariat ak dans DCPJ sans présence avocat que commissaire pral tande moun pendant droit moun sa yo a violé et voyez moun yo nan prison pénitentiaire très souvent yo innocent. Ça c'est un scandale pour justice haïtienne. Ça vient montrer à clair droit moun yo a violé nan justice haïtienne. Commissariat yo a garde à vie de CPJ vinn tourner des centres de détention. Ça montre à clair que pouvoir ça c'est un pouvoir qui gagne problème à moun. Jodi a moun vip moun vinn pi plus dans prison pendant que ça qui était déjà yo te kon passé yo mois sans yo pas venir au mosso la manger. Quatre fois policier cap gérer prison yo kon obligé fermer prison sans pas ouvert pour éviter yon émettre avec ce yon scandale papeté dans prison pénitentiaire. Et secteur a plaidé en faveur de l'autre gouvernement provisoire qui a un président qui a sorti un dialogue avec tout secteur. M. François Jules fait connaître le gouvernement SAB pour une mission résoudre un problème de sécurité à réaliser l'élection de manière pour stabiliser le pays. L'autre dossier dans le journal, là, il y a un ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui dit qu'il compte toute l'idée pour renouveler le mandat Binu dans le pays. Il compte toute l'idée tout pour une force militaire t'envahi et t'apilé et tête d'Haïti. L'idée petite dessaline fait qu'on est climat insécurité qui fait partie d'un plan international là pour forcer population. Mais des forces onusiennes en Haïti. Moïse Jean-Charles critique Ariel Henry qui jusqu'à présent pas résoudre des problèmes et sécurité en côté. Moïse Jean-Charles. Ma pas dit pour tout le monde tande. Peuple haïtien, c'est pour la première fois nous pas pour connou. Ma pas dit fort. Ouais, mais l'Occident il laisse ouais ça en fait. Yo invite moi. Yo comprendre là oui. L'Occident longtemps c'est d'une façon unilatérale. Non prend décision sur Haïti. Oh, nous-mêmes tu ça nous connaît. L'Occident veut tenir nous en otage toujours. Eh bien, gè des pays rabat nous. Ça n'a dit nous faisons pas de ça nous voulait. De ça peuple haïtien souhaitait. Moun sa yo voit l'autre moun. Tu n'as pas condamné. L'Occident c'était seulement un voix, tu condamné. Il y a plusieurs voix aujourd'hui dans l'Occident. Qui en face de l'Occident qui a parlé dans le Conseil de sécurité hein? Nous, n'a dit tout le monde, nous pas d'accord pour le renouvellement de Mounsayo. Nous pas d'accord pour nous mettre nos sous-titres. Nous pas d'accord pour avoir une force intervention. Ou en premier temps, dans les soi-disant que nous avons la chaise d'âme, Américains ne disent pas d'accord. Je ne sais pas ce qui passe pour me lever qu'on y a. Mais je dis, ça pour nous connaître. C'est pas tant que longtemps tout vous me d'eau. Je dis à moi-même, Moïse Jean-Charles, je suis fier de tête de peuple haïtien. Je suis fier pour tête, je suis fier pour peuple haïtien qui ont une grande dimension. Parce que je dis à pays d'Haïti pour parler avec tout gros pays qu'on est dans le monde là et en pile l'autre pays dans le sud. Son victoire pour pays parce que l'Occident n'a pas qu'à trancher n'importe comment encore. Dans le pays d'Haïti. Tant pis le monde croit que dans ce sanier-là, la police Haïti, la police nationale, pas de capacité pour lui manger ça n'a pas de résultat, c'est plutôt une force militaire. Jean-Charles Moïse David. Qui s'en a dit? Au pays, il y a toujours une coopération. Dans n'importe quelle situation. Mais, faire d'une façon formelle. Côté ces Nations Unies qui ont voir tout le monde dans le pays, nous. Côté, c'est les USA, anciens colons qui ont voir tout le monde dans le pays d'Haïti. Nous connaissons bien ça, même qui mettent nous dans le chaos, pour nous faire nous demander, venez de nous, et puis avoir une force dans nous. Je dis, pourquoi, si mon qui là, qui est Ariel Henry comme premier ministre, c'est vrai qu'il vient hériter de son héritage. Mais il te dit, là, pour le résoudre le problème qui là,
l'interdit la palbaye sécurité, l'interdit la palbaye CMP, qui est Ariel, démasquelle en dans primature, parce qu'elle n'est pas capable ni de nous sécurité, ni de nous CMP. C'est lui-même qui cause. Quand elle arrive là aujourd'hui, dans le point de temps, il n'y a pas de décision adéquate, il n'y a pas de décision appropriée, et je dis qui cause quand elle arrive là. Nous avons toujours été avec l'idée petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qui fait qu'on est là. Il était attaché à la position pour gagner l'élection dans le pays, malgré les critiques Ariel Henry. Il dit qu'il va faire rien pour mater le phénomène de sécurité. L'idée petite Dessalines fait qu'on est Ariel Henry, pas montrer qu'il y a volonté pour mettre sécurité à nouveau KIP pour capable gagner l'élection et un gouvernement légitime qui prend tête pays. Dans ce sens, il exige départ Ariel Henry et sous pouvoir Jean-Charles Moïse. Je vais mettre pour tout le monde. Romanes, oui, sénateur. Arrivé là, non. Mais quand il y a un pays qui a une guerre, quand il y a un pays qui a une guerre, tout le jour, il y a une élection. Ça, c'est on. Mais pas l'homme dérivé. Moi, je te dis en premier, améliorer la question de sécurité là. Dès que vous améliorez la question de sécurité là, le monde, quand c'est du cas, ça fait nous mal. Par rapport à un grand monde, grand danse, le monde sud, le monde sud-est, le monde n'est pas vivre. Et on partit dans l'ouest là. Là, le monde, c'est non, pas que tu as mis au chemin là. Eh bien, ça va pas sortir. Ou pas qu'à faire l'élection en condition ça. Est-ce qu'il y a un dans troisième là? Est-ce qu'il y a un dans Kouadabouquet? Est-ce qu'il y a un dans Gonaïve? Est-ce qu'il y a un dans Petit de la Timonite? Quand les leaders politiques dans son taille, on va mon zam tout journée. Quand les leaders politiques ça, tu es cautionné d'accord avec la question vieux gouvernement qui passe. Je veux dire qu'il a gagné dans ce là, je dis. Ou pas qu'à dire pour faire l'élection en condition ça, Romanès. Mais Romanès, Fanta est volonté, hein? Faut que nous coupions l'électorat à la place et qui t'a commencé à garder ce qu'a fait et qui t'a marché avec une sécurité qui t'a commencé dans le pays. Mais où est-ce que tu n'as pas besoin d'un petit signal pour sécurité l'éternel? Il n'y a pas besoin d'un petit signal, c'est paix. Et même temps, il y a quelqu'un qui a dit et Ariel pour Ariel 2025, Ariel 2024, tout le monde qui est garé dans le pays. Et puis, je me dis, automatiquement, je vais faire plusieurs transitions pour l'affaiblir. Je vais faire plusieurs transitions. Je dis à mon côté, je ne vais pas faire Montana tout le monde menace moi, parce que je ne vais pas faire Montana monter. Je ne vais pas faire privé tout le monde menace moi, je ne vais pas faire le monter. Je ne vais pas faire Chabadresse tout le monde menace moi, parce que je ne vais pas faire monter encore. Quand je viens à l'aise, pour me dire tout le monde, en l'air de ça, de pas Ariel. C'est ça, mon matin. M'te kabando, est-ce qu'on veut l'élection avec Ariel ou sans Ariel? Maintenant, si on dit pour Ariel la Gécha, de toute façon, maintenant, on pas dans l'élection avec Ariel là, on prend le goût, là, pour vous jeter Ariel. Si m'te kabando, comme ça. Depuis dimanche, je t'en pense championnat là, m'te annoncé la couleur. Radio. Mobilisation dans quatre coins pays. C'est ça, nous demander. Parce que politique pas jouer petit monde. Ou pas bon sécurité. Ou pas bon conseil électoral. Qui sont en fait là? Ça veut dire, Mabgado, pour faire un an, et qu'on y a, pour te une seule mission, bah, sécurité pour une élection, ou pas faire, ou qu'on aime bien, yon président provisoire, ou qu'on aime bien, yon premier ministre provisoire, ou qu'on aime bien, pas gagner le café dans le pays. Pour qui ça nous connaît? Même mon Romanès, qui soit dans le monde de gauche, mon de droite, mon pour mon seigneur dans le pays. Yon connaît bien mon provisoire, bien mon provisoire, pas grand que pays qui a pris de nous. Yon connaît bien mon provisoire, pas grand temps qui nous a pris de la route. Plusieurs organisations sociopolitiques, tant que Molégaf, ak Combit, organisation politique syndicale, ak populaire organisée en City, naïe jeudi, devant local bureau intégré Nations Unies en Haïti, Binu, na l'idée pour demander à l'organisation Nations Unies pour pas renouveler Madame Binu en Haïti, pour protester, ça y est, sans mission, qui t'est passé en Haïti, pas régler rien, pour payer au contraire phénomène de sécurité à vina gravé plus, puis loin, y'a pas mis de l'eau dans la bouche, pour critiquer représentante, secrétaire général Nations Unies en Haïti, Hélène Lalime, qui d'après y'a contribué à fédérer gangue en Haïti. Côté quelques protestataires dans Micro Radio Omega. Les États-Unis à travers le monde, c'est chaos total. Pendant 18 ans, communauté internationale là, à travers les États-Unis, mettait des missions étrangères, soutenant ministre, passer dans le ministre, finir, binu. Comme mission étrangère, ça y est, c'est chaos. Son descente aux enfers total, le produit pour les paysans. Je dis à présence, moi, dans cette ça, nous venons dire, nous pas dans le renouvellement, mandat binu, nous venons décréter Madame Lalime, personne à non grata aussi, parce que c'est à travers le discours Madame Lalime que gang y arrive fédéré. Et je dis, hein, si le peuple n'a pas qu'à passer Matissan, si le peuple n'a pas qu'à passer Bois des Bouquets, si nous, on est dans le pays, nous pas à l'aise au niveau sécuritaire, c'est Madame Lalime à travers quoi groupe.
venu planifier dans différents pays. Donc par là, nous adressons à différents pays membres pour nous dire autant pris souple, rendez-nous ce service ça. Et qu'il ne faut pas procéder au renouvellement du mandat de cette structure criminelle qui s'appelle BINU, qui fondamentalement responsable tout problème gangsterisation, assassinat que nous avons joué aujourd'hui qui gagne dans le pays. Heureusement, nous sommes reportés une audience qui t'a supposé gagner puis été penché sous affaire renouvellement mandat. Nous reportons, ça veut dire l'aide qu'on a adressée est matérialisée et nous convaincus, nous comptons que mandat Binian pas renouvelé. Aba Ariel Henry, Aba Liskitel, Aba Dossé, Aba justice. Toute ambassade pays qui piricho qui la gagne côté n'y a là. Secrétaire général comité organisation politique et syndicale populaire qui c'est Josué Mekrilien, un message final dressé en table noire coulant sous situation payant et puis dénoncé pouvoir placement l'idée qui a créé raté artificiel gaz dans l'idée pour augmenter prix avant longtemps. Josué Mekrilien qui s'allait plusieurs pays qui campait contre le renouvellement mandat Binion Haïti mandé population civile enlevé campé pour protester contre toute décision qui pas dans intérêt peuple haïtien. Josué Mekrilien. Nous voulons coup de chapeau par tout militant qui est présent aujourd'hui pour venir dire non à renouvellement criminel, ministre et bidu. Nous voulons dire non à la question de la gaz artificiel côté ce gaz là pour faire que le peuple a acheté à 1500 gouttes. Dans ce sens, nous disons tout le monde, nous sommes seul son mot d'ordre, lever campé général de tout pays pour nous faire un soulèvement général qui peut être que nous chavirer, régime Kanzila et rentrer notre territoire de rupture qui met base pour construire notre Haïti pour pas là. Nous là pour dire que question kidnapping, question massacre là, nous bouquons avec et que peuple haïtien, c'est le cas retirer tête de salé là. C'est pour ça nous demandons tout le monde, c'est lever. Campé général de tout pays pour nous arriver chavirer le régime comme si là. Dans ce sens, nous disons tout dans toute zone, monter comité, monter équipe pour gérer zone nous. Toute zone, gérer zone et zone corrézone pour nous assurer la voie populaire qui ne peut pas là. Nous seul bon ordre, c'est bon ordre, mobilisation générale pour nous assurer la voie populaire qui a perdu chavirer ça là. Nous voyons un coup de chapeau par la Chine qui après l'aide qu'il devrait bailler, nous voyons que yo bloqué ce yasta pour demander pour réexaminer la question. Nous espérons que la Chine allait plus loin que ça et pour nous arriver dans le blocage question renouvellement binéa et pour payer qu'à voir outil pour gagner suspendre empêcher de marcher, empêcher de respirer. Donc, dans ce sens, yo seul mot d'ordre, yo mot d'ordre, mobilisation, mais à voir outil. Nous avons poursuivi avec information, nous avons direction Mirbalé et nous avons conférence pour la presse par notre tribunal Mirbalé hier jeudi, coordonnateur mouvement citoyen engagé et centre pour Haïti, maître Benson Mazarin dit ça les décisions nouveau doit un paquet Mirbalé à maître Alexandre Dorilas pour le mettre juge d'Orsayville Edwidge pour mener dossier assassinat journaliste Némi Joseph là qui pas de gain juge sous les depuis un bon bout de temps. Maître Benson Mazarin souhaité avec nouveau juge là bon travail, il m'a des collaborations population avec zami famille et mio. Maître Mazarin fait qu'on est juge là de tendre tout nos qui cité dans cadre dossier si là on côté maître Robinson Mazarin pour que finalement nous connaissons situation ça après environ 2 ans et bien 2 ans 9 mois dossier Némi Joseph là qui c'est un petit et Jean-Philippe Do qui sont petites Chalmay Peralt, qui sont Bruno Batraville, eh bien régime PHTK a été assassiné 10 octobre 2019. Eh bien nous songez bien qui crie ça fait. Environ 3 ans après, Némi Joseph dossier par là a été fermé dans le tiroir et que juge déporté au dossier et actuellement nous gagnons un nouveau juge depuis le 8 juillet là, avec le nouveau doyen AI, qui désigne un autre juge qui
qui c'est maître Edwige d'Or Saint-Ville, c'est lui-même qui prend le dossier pour le capable insulier. Nous souhaitons juge Edwige bon travail. Nous souhaitons collaboration population qui a soifé capitaine de justice ça depuis bien longtemps. Nous souhaitons familles, amis, citoyens conséquents engagés, yo météo et là et puis et m'a dit CSPJ et même tout lui répondre avec un ensemble d'obligations pour permettre que le juge a fait travail. Nous-mêmes, quant à nous-mêmes, citoyens engagés du centre, nous là, et nous étions vigilants, nous pas prendre pression, nous pas marron, nous avons campé là pour que de ce sali aboutit et nous pensons que c'est important. Nous t'avons rappelé à tout le monde, dans l'ensemble de déclarations qui sont faites dernièrement là, par le sénateur Willow contre eh bien, sénateur et Ronny C. Célestin, que lui dit qui touille l'ennemi Joseph. Ça, c'est un élément en plus, et me pensais que c'est un témoin important que la justice doit attendre, et nous croyons que mettez avec ensemble tout l'autre monde, et bien de haute cité, nous avons ça déjà, parce que nous croyons que l'important pour nous, c'est ça, l'avancer. C'est vrai, dont jeune dame, 32 ans, qui est mourue, Charlie Saint-Cyr, que nous avons photo dans l'ancienne tribunal là, et que finalement, M. Bokojam décide pour permettre à ce que Charlie Saint-Cyr vienne justice, soit environ 3 ans après. Donc, Mounio Bokojam vraiment décide et nous demande la justice pour être capable de vendre cette dossier ça. Dans l'occasion, nous profiter dit à toute population et que nous préparons sérieusement pour que 3 ans de commémoration, journaliste Léhémy Joseph, à tout reste monde qui était assassiné, et bien pour nous capables exploiter le moment ça 10 octobre 2022 pour nous exploiter lui pour nous continuer mobiliser monde sensibiliser monde autour de cette situation pour que finalement eh bien dossier ça yo avancer yo pas rester fermé dans Robinson Mazarin qui est responsable en mouvement ça dans département centre pays d'Haïti précisément dans Villemain-Balais. Et nous connaissons dossier Néhémy Joseph, là, ancien correspondant, non collaborateur, nous ici, là, dans Radio Méga, dans Villemain-Balais, qui était très, très connecté avec moi Blaise, à Romanès samedi, dans le moment que Néhémy, t'es qu'on bat nos circuits, t'es qu'on bat nos informations qui a passé concernant Villemain-Balais, surtout nous connaissons, dans la période bouleverse, qui était un mouvement contre ancien président Jovenel Moïse, Jean Robinson Mazarin dit là, et pas seulement, il y a même dans le mouvement, et, dans le mi-balais, dans le centre paysan, capement de justice et qui souhaitait que la justice allait même agir dans le dossier ça. Nous-mêmes, qui c'est collaborateur Néhémy Joseph qui parle encore, n'a pas fait pression tout, n'a demandé tout avec autorité judiciaire, autorité policière, pour que yo tende tout le monde qui est de tout campé dans l'assassinat ancien collaborateur Néhémy Joseph. Family, tout le monde qui eux même qui était comme ça, Néhémy était représenté pour yo comme monde et comme journaliste pour département, pour ville et Mianbalais, que la justice rentre avec dossier ça, rentre avec famille, amis, proches, collaborateurs, Néhémy Joseph. Et 10 octobre, qui prend pour livrer la Jean Robinson Sodilan, Pralma, qui 3 années, Zach assassinat, nek te fait dans le département centre, précisément dans Mianbalais, sous collaborateur nous, ancien correspondant nous, Néhémy Joseph. Nous pouvons mettre devant en voile, mais avant nous aller, dans Ville Tigouave, ensemble avec Guito Mathieu, correspondant permanent, nous qui pral dit comment Tigouave vient pour matin et ça qui gagne comme information. Bonjour Guito Mathieu. Bonjour, Blaise Peterson, ainsi que Jean-Winner Sévère, nous saluons. Hier, une coordination parmi la Valence Tigouave qui a annoncé pour matin. Il y a une manifestation. Manifestation a démarré en Bamako et Rue Benoît. Désormais, c'est ça qui est fier parmi la Valence. Et l'objectif de manifestation, ça, c'est pour dénoncer tout mal pays a traversé et pour dire bonne fête à Dr. Gilbert Aristide. Il y a pour réclamer également départ Dr. Ariel Henry. Et m'a dit remplacement pour l'autre docteur, docteur Jean-Bertrand Aristide. Donc, c'est une manifestation, une invitation par tout le monde. Comme donc, hier, c'est gagné l'association chauffeur taxi moto, qui était fait une manifestation qui croise, qui a été dénoncé, monté prix gaz, là.
Cependant, en côté route, c'est quelques individus mal intentionnés qui étaient infiltrés parmi eux, qui étaient bloqués route nationale numéro 2 hein, et ils étaient météo rançonnés machines qui étaient sorties soit en sud ou bien Port-au-Prince. Immédiatement, organisateurs manifestation, campé manifestation, ils ont dit c'est pas drôle, c'est pas objectif manifestation, hein, c'était pour dénoncer hausse prix ou bien hausse prix gaz plein, dénoncer la vie chère, c'est pas pour rançonner moun. C'est pour ça, yo cassé rendez-vous pour l'autre manifestation soit demain, pour continuer demander pour prix gaz à baisser, pour la vie chère diminuer, pour insécurité à cabane en pays. Donc, à 10h jeudi, on va prendre l'autre manifestation, cette fois-ci, c'est la Valassière qui va prendre béton. C'est toute information que j'ai pour vous, depuis cité sous le croisant, cité Lamar. Guito Mathieu pour Coucou Radio, Radio Méga. Merci en pile, Guito Mathieu. Il a vraiment fait un défaut là. Nous prenons aller dans Saint-Marc avec information ça qui passait à côté de questions, mouvement qui est fait dans la ville Saint-Marc là, mais il y a l'autre information dans la ville là. Eh oui, c'est pour piti Décaille a trouvé en bas, t'es trouvé en bas gros flamme diffé et gros flamme diffé dans la nuit jeudi 14 juillet à Nariel Elvi dans ville Saint-Marc dans département la Tibonite. Selon premier élément information, t'as semblé c'est plusieurs drum gaz qui t'a stocké en Décaille ça qui t'a poussé gros diffé ça. Jusqu'à présent pour trop gain présence pompier lorsque diffé a été prend. Toujours selon information, t'as semblé t'as trois timon piti qui t'a fermé en dedans qui vient bouler qui t'a déjà transféré l'hôpital. Nous parlons avec Daniel pour plus d'informations sur le dossier Sila. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Willem, c'est vrai. Bonjour Blaise, je m'appelle. Salut tout le monde qui a écouté Radio Méga. Matin encore, nous sommes très contents avec vous. Bon, j'en vous partage les nouvelles là. Jean-Willem, c'est vrai. Au niveau seulement que hier soir, gagné dans la zone chemin 9, ben, gagné, on dit fait qui éclaté côté gagné. Et plusieurs monde, surtout des petits monde qui ont même maintenant au cas côté gagné par un yo ils ont été stocké gaz dans le cas là pour cap vingt j'en connais un et depuis un certain temps dans le pays a un peu le côté dans le pays a par rapport pompier pas gagné gaz mais mon yo prend plaisir acheter gaz yo l'autre côté mais de côté qui yo pas tadoué là donc c'est ça qui arrivait dans zone chemin 9 hier soir donc gagné un cas qui au même prend du feu était gagné de l'autre cas dans zone là qui également était prend du feu et grâce avec vigilance des monde qui vivait dans zone là ben qui était utilisé tout moyen yo gagné pour te permettre yo te capter du feu donc d'après les monde nous t'ai parlé dans zone là t'as fait quoi t'es gagné plusieurs monde en cas là et surtout petit monde. Donc l'un t'a demandé yo est-ce qu'il y a des monde qui ont même sorti boulé en Dakar là on t'a dit gon petit monde donc le yo rentré prendre donc pour mon yo d'après mon yo donc il était gain temps mourir malgré ça il y a une diligence qui était très rapide faite pour permettre yo aller à l'hôpital et avec des monde donc il était jeudi à comparativement avec des monde Jean-Willem Sévec t'a fait quoi gagné 8 monde qui mourir gagné 3 monde qui mourir donc nous pouvons en mesure pour nous cap confirmer question ça par rapport tout hier soir malgré un pile SOS qui était lancé donc autorité dans cité de Saint-Gérard pompier dans Saint-Marc pas privé dans zone là donc c'est après du feu à Finetten grâce avec Mounio gagné commissaire gouvernement des juridictions Saint-Marc là dans parler des grands pierres estimés qui est à préparer